L'Europe s'engage dans un vaste programme de développement des batteries électriques pour voitures. La Commission européenne a ainsi approuvé ce mardi l'octroi d'une aide publique de près de 3 milliards d'euros. Cela servira à soutenir plusieurs entreprises du continent engagées dans ce secteur, de la conception jusqu'au recyclage. Nous ne sortirons pas de la crise actuelle en reconstruisant le monde tel qu'il était avant la pandémie. Nous sommes face à un défi historique pour bâtir un monde plus vert, plus digital et plus résilient. Et pour lutter contre le réchauffement climatique, nous devons repenser notre rapport à l'énergie, repenser notre manière de nous chauffer, repenser notre manière de voyager et de nous déplacer. L'Europe tente de rattraper son retard sur le marché des voitures électriques, un marché largement dominé par les pays asiatiques, notamment la Chine. Le secteur des batteries est crucial. À elle seule, une batterie représente un tiers de la valeur des voitures électriques.